Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 et nous sommes en direct de mon bureau. Regardez un petit peu tout ça, c'est passionnant. Mais ce qui est important, c'est la décoration de maison que j'ai fait et que j'ai mis en vente hier dans la boutique de Julien. Nous avons donc quelque chose que nous pouvons accrocher au mur, accroché sur un cadre, accroché sur un coussin, accroché dans un lit de bébé, accroché sur un canapé, accroché où vous voulez. Celle-ci, pour tout vous dire, je l'ai vendue. Elle est déjà vendue, donc je sais où elle va aller. Cette décoration de maison va aller sur le sapin de Noël d'une amie. Voilà. Alors, nous avons pas mal de pierres dessus. Et nous avons, je sais pas si on voit bien, où est la holite? Elle est ici. Voilà. Et puis, là, bien évidemment, hein, c'est symétrique. Nous avons une holite. Alors, ça, c'est une pierre qui est très, très bonne pour le stress. Elle évite le stress, elle calme. Elle évite d'avoir peur de quelque chose et elle aide à réfléchir avant d'agir. C'est une pierre qui est conseillée aux personnes qui souhaitent perdre du poids. J'en ai une et elle est vraiment conseillée aux personnes qui souhaitent perdre du poids parce qu'elle te donne la motivation. Et ça, l'air de rien, mais c'est pas mal. Hop, c'est une décoration de maison que j'ai fait et je me rends compte que c'est une décoration de maison qui va être très bonne pour donner de la motivation, rendre, par exemple, là, on a la pierre de soleil. Alors, c'est celle-ci, la pierre de soleil. On en a deux, toujours pareil. C'est symétrique. Nous avons deux pierres de soleil et là, la pierre de soleil, c'est une pierre qui aide à faire partir la paresse, la crainte. Elle favorise les rencontres, l'amitié. Elle rend optimiste et courageuse. Voilà. Elle aide à stimuler la mémoire et elle lutte contre la paresse, c'est une pierre revigorante. Hop, attendez, je reviens. La pierre dont nous allons parler ensuite. Oh, celle-là, on la voit à peine sur ma décoration. Tadam ! C'est une turquoise. Alors, c'est une décoration, je dis ma décoration, que je crée des décorations pour la boutique de Julien. Celle-ci, vous la chercherez pas, hein, parce qu'elle est vendue. Elle va partir, ou elle est déjà partie. Je sais pas quand je vais mettre la vidéo en ligne. Là, nous avons une turquoise et c'est une pierre qui est conseillée pour les personnes qui veulent faire du sport. Par exemple, quelqu'un qui veut faire du sport et gagner du muscle, parce que c'est une pierre qui lutte contre les toxines, par exemple. Elle est très, très puissante pour lutter contre les périodes de dépression, les périodes de maussade, contre les cauchemars aussi, hein. Donc, c'est vraiment une très, très bonne pierre qui va vous pousser vers le haut, voilà. Et en dernier, nous avons une aventurine. Alors, nous n'en avons pas une, nous en avons deux, pardon. C'est une des aventurines. Et alors, les aventurines, c'est une pierre qui apporte la tranquillité, pardon, qui calme l'énervement, qui gère les problèmes émotionnels. Donc, c'est vraiment bien. Si vous êtes nerveux, que vous avez des périodes de colère, une aventurine, ça peut aider.
C'est une pierre aussi qui donne de l'optimisme, qui aide à s'épanouir. Voilà, bon, ben voilà une décoration de maison qui sera accompagnée d'ailes d'ange, qui est accompagnée d'ailes d'ange. Voilà. Donc ça, turquoise naturel, olite naturel, pierre de soleil naturel, aventurine naturelle. Aucune des décorations et pierres qui sont dans la boutique de Julien ne sont faites en pierres fausses. Voilà, ce sont des pierres naturelles. Voilà. Bon, ben moi je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je suis désolée d'avoir bafouillé, d'avoir parlé un petit peu vite. Ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo et à chaque fois je plante. Alors voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de choses très très bonnes. Je vous souhaite plein de bonheur et prenez soin de vous. À plus tout le monde !